Bonjour à tous les amis. Oui, je sais, je la fais un peu tard. Ma réaction sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Dites-moi si vous voyez bien les groupes en commentaire lors de l'introduction. Mais on est parti pour me qualifier. Pour moi, qui finira premier, deuxième et qui seront qualifiés pour les huitièmes de finale et qui sera reversé en Europa League et qui sera quatrième de cette Ligue des Champions. Alors on va commencer bien sûr par le groupe A avec l'Ajax, Liverpool, Naples et les Glasgow Rangers. Pour moi, même si Liverpool fait une contre-performance dans ce début de saison, pour moi, je verrai premier Liverpool, deuxième l'Ajax, parce que l'Ajax, ils ont l'expérience de cette Ligue des Champions, sont déjà allés loin dans cette Ligue des Champions, ils sont allés en demi-finale en 2019, à chaque fois, ils arrivent au moins à passer les poules. C'est pour ça que je mettrai l'Ajax en deuxième position, mais ça va être serré, parce que troisième, je vois Naples être reversé en Europa League. Mais voilà, on serait peut-être, il pourrait avoir une surprise, et Naples peut-être deuxième. Mais bon, pour moi, je verrai l'Ajax deuxième, troisième Naples, et quatrième, les Glasgow Rangers. Je pense que les Glasgow Rangers, ce sera très compliqué pour eux d'aller chercher une place, que ce soit en Europa League, ou voire même pour une place en huitième. Dans le groupe B, nous avons l'Atlético de Madrid, Porto, Bruges et le Bayern Leverkusen. Pour ma part, je pense que l'Atlético va finir première du groupe. Voilà, je pense que ils tombent dans un groupe. Voilà, ils étaient dans le chapeau 2. Je pense que l'Atlético avec Griezmann, même si bon voilà, il faut un petit début de saison assez mitigé. Pour moi, l'Atlético de Madrid va finir première. Deuxième, Porto, parce que Porto va régulièrement en huitième, voire en quart de finale. Et ces deux-là seraient en huitième de finale. Troisième position, quand même le Bayern Leverkusen. Et quatrième, Bruges. Mais je serais peut-être pas surpris que Bruges prenne la place du Bayern Leverkusen. Ça pourrait être une surprise, mais troisième, le Bayern Leverkusen et quatrième, le FC Bruges. Le groupe C, que dire? Le groupe de la mort. Voilà, avec Barcelone, le Bayern de Munich, l'Inter et Plzen. Une petite pensée aux tous supporters de Plzen qui risquent d'avoir un colavirage assez voilà je pense que ça va être très dur pour eux. Déjà on peut les mettre quatrième. Plzen franchement ils finiront quatrième, ils risquent de se prendre des tôles à toutes les rencontres. Je vois pas comment ça va être possible d'aller plus haut pour Plzen. Ils finiront quatrième. Après premier le Bayern de Munich. Je pense que le Bayern est au-dessus quand même du lot. Même si après les trois autres peuvent encore pourquoi pas finir premier, mais le Bayern premier et après entre Barcelone et l'Inter, franchement c'est assez compliqué parce que ces deux équipes qui ont du mal actuellement à aller en huitième, mais allez pour Xavi, pour Lewandowski, comme le Barça est en reconstruction, je vais mettre quand même le Barça en deuxième position et l'Inter troisième. Et par contre, l'Inter sera un réel favori pour l'Europa League s'ils sont reversés. Mais je pense que voilà, l'Inter sera troisième, quatrième Plzen et les premiers Bayern et deuxième Barcelone. Le groupe D de l'Olympique de Marseille, on peut le dire, on a la chatte, on a la chatte. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Longoria a dû mettre un cierge à Notre-Dame-de-la-Garde. Mais franchement, la poule avec Tottenham, Marseille, Francfort et le Sporting, on n'a pas le droit de se louper. Pour moi, je pense que Tottenham est au-dessus du lot et je pense que Tottenham va finir premier de sa poule. Mais après, en deuxième position, je vois Marseille. Je pense que Marseille finira deuxième, troisième Francfort, quatrième le Sporting. Après, ça va se jouer à rien. Parce que je pense que Tottenham est au-dessus du lot et il va finir premier.
Mais Marseille peut finir deuxième, troisième, comme quatrième. Je pense que ça va se jouer à rien. Peut-être que même à Marseille, il y aura Cristiano Ronaldo ou il sera au Sporting. Parce que maintenant, Ronaldo, mais ça je reparlerai peut-être dans une autre vidéo, il serait soit dans le Sporting ou à Marseille. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, Ronaldo va affronter soit l'Olympique de Marseille ou Ronaldo va affronter son club formateur, le Sporting. Mais après, je pense que ça va être très chaud. Mais pour moi, Marseille va finir deuxième. Troisième, Francfort. Quatrième, le Sporting. Mais voilà, ça va être très très chaud. Marseille n'a pas le droit de se louper. Normalement, Marseille doit être en huitième. Mais je pense que ça va être quand même assez compliqué. Marseille peut être deuxième comme troisième, comme quatrième. Le groupe E, AC Milan, Chelsea, Salzbourg et Dinamo Zagreb. Bon, ben, promis l'AC Milan. Je pense que l'AC Milan va créer la surprise et va être premier de sa poule. Deuxième, Chelsea. Je vois deuxième Chelsea. Et après, troisième Salzbourg qui serait reversé en Europa League. Même si Salzbourg avait été en huitième l'an dernier, ils avaient perdu face au Bayern de Munich. Mais cette année, je pense que Salzbourg va être troisième et quatrième, le Dynamo Zagreb. Le groupe F, alors là, franchement, on dit que Marseille a eu de la chance, mais alors là, le Real, ils ont eu aussi une chatte, une chance pas possible, avec le Real, Leipzig, j'ai perdu, voilà, Donetsk et le Celtic. Franchement, je pense que le Real va finir premier, même voire peut-être avec 15 points, 16 points. Et deuxième, c'est assez compliqué, je mettrai quand même Leipzig. Mais bon, troisième après le Celtic, je pense que le Celtic va finir troisième. Et quatrième, le Shakhtar Donetsk. Puis après, on passe au groupe G avec City, Dortmund, Séville. Et j'ai perdu la dernière équipe. Bon, j'ai perdu, excusez-moi. Mais franchement, je pense que Dortmund va finir troisième pour moi. Premier City, deuxième Séville, troisième Dortmund et quatrième l'équipe que... Voilà, Copenhague. Voilà, Copenhague. Voilà, je suis revenu. Je pense que Copenhague finira quatrième. Troisième Dortmund, même si ça va être très serré entre Dortmund et Séville. Mais Séville deuxième et Manchester City premier. Et puis après, le deuxième club français qui ne gagnera pas la Ligue des Champions encore cette année. Non, allez. C'était pour la petite blague. Mais voilà, Paris, la Juventus, Benfica et Maccabi Haïfa. Bon, ben, Maccabi Haïfa pour moi va finir quatrième de sa poule. Troisième Benfica. Deuxième, la Juventus. Premier, Paris. Je pense que Paris va finir premier. Et après, entre la Juve et Benfica, pour moi, je dirais la Juve, parce que ça serait trop simple. Mais Benfica peut créer la sensation de finir deuxième et la Juve être reversée en Europa League. Mais bon, la Juve, pour moi, finira deuxième. Dites-moi en commentaire, qui voyez-vous ben, premier, voilà, qui voyez-vous en huitième. Et on se retrouvera bien sûr très vite pour parler de notre vidéo, bah, de Cristiano Ronaldo, des pronostics Ligue 1. L'Europa League, pas sûr que je fasse. Peut-être vous pouvez me retrouver sur TikTok avec mon truc Adrien.parlesport 32. Voilà, je fais un peu de pub. Mais voilà, on se retrouve très vite pour parler d'autres sports.